une fois un loup. Un jour, il se mit à ramasser des fraises. Des fraises de bois pour faire des bonnes tartes. Non, 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 c'est pas ça qu'on a inventé. Un jour, un loup avait ramassé des champignons pour faire une bonne omelette. Non, 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 c'est pas ça non plus. Un jour, un loup, il s'est mis à creuser un piège. C'est ça, voilà. Le loup creusait un piège, il se cassa derrière un arbre. Et alors, quoi ? Elle finit l'histoire. Mais non, vous avez rien compris. Mais non, c'est pas comme ça. On retourne au début. Il était une fois un chasseur qui avait un chien. Oh là là, on s'est encore trompé. Ce n'est pas ça notre histoire. On retourne au début. Il était une fois une maman qui vivait dans une maison près de la forêt. Oh la chance, tu trouves. Oui, habiter près de la forêt, c'est génial. Moi, je suis pas d'accord. Ça fait peur, la forêt. Chut, on continue l'histoire. La suite. C'est une maman qui travaillait à l'hôpital. Sur l'hôpital toute seule, cette maman-là? Non, c'était une maman. Donc, elle avait des enfants. Ah bon? Bien. J'avais environ 2 enfants. Environ? Dans notre histoire, il y a exactement 2 enfants. 1 et 2. Mais comment s'appellent-ils les enfants? Maxime et Mélina. Mais qu'est-ce qu'ils aiment faire, Maxime et Mélina? Ils aiment jouer dans la forêt. Tu vas pas m'attraper. Si, tu vas voir. Je cours plus vite que toi. Même pas vrai. Et quelle aubaine! Ho 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 ho! Maman, secours! À l'aide, on est tombé dans un trou! Mon secours! À l'aide! Ho ho ho! Mais votre mère ne vous entend pas, mes petits! Ho 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 ho! Maxime, tu vois ce que je vois? Oui, Mélina, je vois ce que tu vois. C'est un loup! C'est un loup, au secours, c'est un loup. Ho, 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 ho. Et oui, je suis le grand méchant loup et je vais vous manger. Ah! D'abord, je vais aller chercher du bois pour faire un feu. Un feu? Non, à l'aide. Ho, ho, ho. Et ensuite, je vais vous faire cuire un petit feu. Il veut nous manger tout cru? Non, je veux manger tout cuit. Je ne veux pas être cuite à petit feu. Je veux pas finir aux brochettes. Et en plus, tu as vu son sourire, Maxime? C'est un méchant sourire. C'est un méchant loup. Il faut sortir de là. Mais comment on va faire? Oh là là, comment faire pour sortir de là? J'ai une idée. Je vais monter sur tes épaules. Et quand je serai sortie, psh, 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 psh. Bonne idée, Mélina. Prenons-nous dans les bois pendant que le loup les bat. Mais où est passée ta sœur? Ma sœur, elle est partie. Elle est partie? Oui, mais tu la mangeras pas. Je ne mangerai pas ta sœur, mais toi, je vais te manger. Où y es-tu? Que fais-tu? J'allume un grand feu. Tralala, tralala. Comment je vais faire pour délivrer Maxime? À moins que... Je te tiens, grand méchant loup. À moi! Aïe, aïe, aïe! Au secours! Je brûle! Oh, Is! Mélina! Oh, Mélina! Ah! Vite, vite, Maxime! Attrape la corde! Ouf, j'ai eu chaud!
Moi aussi, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'accord. Ah, bien joué. Au revoir, le loup. Ha ha. Maintenant, on est enfin tranquille. Youpi, allez, on va jouer? Non, viens, on va voir maman pour lui dire ce qui s'est passé. Oui, tu as raison, il faut tout lui dire. Oui, mais maman, elle est à son travail. Eh bien, on n'a qu'à aller à l'hôpital à vélo. Bonne idée, à vélo, à vélo. Ça y est, l'histoire, elle est finie alors? Je pense que oui. Tu crois que le loup est mort? Non. Le loup est juste assommé. Oups. Ouh, ma tête. Ouh, chouïche. Que m'est-il arrivé? Ah oui, les enfants, le feu. Mais ça va pas se passer comme ça. Heureusement que j'ai des bonnes griffes, moi. Mais où sont-ils passés? Mais avec tout ça, moi, j'ai une faim de loup. Zut, la maison est vide. Ils sont partis. Mais où sont-ils passés encore ces deux-là? Oh, mais là, il y a des traces de vélo. Mince, les traces ont disparu. Mais j'oubliais. Heureusement que j'ai un grand nez. Ça y est, je les vois. Je vais enfin pouvoir les croquer. Mais Nadia, attends. Oh non, mince, non. Le loup, il n'est pas mort. Oh non, le loup, il est là. Il nous a suivis. J'ai une idée. Allons chez le chasseur. Il habite juste à côté. Une idée, Maxime. Regarde, je le vois. Ah, bonjour Maxime et Mélina. Quel bon vent vous amène? Ouaf, ouaf. Monsieur le chasseur, monsieur le chasseur. Le loup, il veut nous manger. Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Je crois qu'il faut mieux que je fasse demi-tour. Et en vitesse. Ah ouh. Vas-y mon chien, attrape. Ouaf, ouaf. Ah ouh. Attrape. Ouaf, ouaf. On l'a échappé belle. Et alors? Alors, notre histoire est finie. Le loup a pris la poudre d'escampette. C'est quoi ça, la poudre d'escampette? Mystère et boule de gomme.